Que le collectif d'habitants il est mobilisé pour la défense du centre social et culturel qui serait voué à disparaître l'année de ses 50 ans. Donc notre collectif a mené de multiples actions, des initiatives, et nous ne pouvons que regretter, pardon, hormis un collectif cap à gauche qui nous soutient et nous accompagne officiellement, aucune autre structure ou association du quartier nous est rejoint dans notre combat. Même si certaines personnes, acteurs et actrices du quartier, nous soutiennent indirectement, donc il y en a, c'est un peu plus compliqué de le faire aux yeux de tous, mais merci pour leur aide. Donc ce centre est un pilier du quartier. On a donc décidé de mener cette action, à la fois pour montrer qu'on ne baisse pas les bras, très important, mais aussi pour fêter à notre manière, avec nos moyens, cet anniversaire. Donc là, un petit mot sur la convergence des luttes avec le collectif d'acteurs des arts et de la culture occupant Malraux qui sont présents. Je relaisserai la parole tout à l'heure. Donc un centre social et culturel, c'est pas une association comme les autres, c'est la maison des habitants. C'est un lieu de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la population et veille à une mixité sociale. Il propose des activités à finalité sociale, éducative et culturelle. Et parmi les valeurs portées par un centre social et culturel, on retrouve les principes de dignité humaine, solidarité, culture. Donc la rencontre avec Malraux en lutte était une évidence. Le collectif de Malraux en lutte est notamment soucieux de l'accessibilité à la culture par toutes et tous. Et c'est donc pour cela qu'ils défendent tous les lieux culturels locaux. Nous les soutenons bien évidemment dans leur combat et les remercions d'être présents et présentes aujourd'hui. Tous les habitants peuvent participer à leur assemblée générale ouverte à tous. Un petit mot concernant la ville de Chambéry. À ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse aux sollicitations du collectif, malgré plusieurs relances. Les Combes est une structure primordiale pour la vie du quartier. Et depuis le début, effectivement, la ville est auprès d'eux. Depuis le début, on a même alerté, on a accompagné, on est dans le dialogue, dans le partage, et on est ouvert à tous les collectifs, tous les habitants. Et effectivement, ils nous ont fait une demande pour être reçus. Demande à laquelle on va répondre. Après, effectivement, dans la temporalité, ça va se faire. Mais on est ouvert, effectivement, à rencontrer tout le monde. Mais est-ce que c'est pas de la langue de bois, là? Parce que là, il y a urgence, ils vous demandent. On comprend pas pourquoi vous les rencontrez pas. Ça va un peu à l'encontre de ce que vous avez dit pendant la campagne, c'est-à-dire d'être en dialogue en amont avec les associations. Alors, c'est pas du tout de la langue de bois, parce que si je compte le nombre d'heures que je passe avec les habitants, avec les associations et avec le centre social, je crois que j'y passe énormément de temps. Et c'est normal, puisque effectivement, il y a besoin des élus et de la ville. Et on sera là. Mais effectivement, le temps n'est pas extensible. Et effectivement, on verra tout le monde. L'audit, il n'a pas déterminé les responsabilités, puisque ce n'était pas prévu, a priori, dans le cahier des charges. Donc ce qui semble surprenant, puisqu'il est question de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc la question que tout le monde se pose, c'est que s'est-il vraiment passé en un an pour en arriver à un tel désastre financier et humain? Nous ne pouvons que déplorer la décision unilatérale de la ville d'avoir supprimé l'option consistant à combler la dette, malgré leur engagement de campagne qui était la concertation avant toute prise de décision. Au nom du collectif, nous demandons à la ville de revoir sa position sur l'option aide au comblement des dettes. Un petit mot sur le conseil d'administration des Combes. Donc deux options restaient
alors sur la table. Le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. À ce stade, c'est la liquidation judiciaire qui a été retenue par le CA. Pourtant, le collectif, après avoir rencontré 10 des 13 salariés, peut dire que tous n'étaient pas favorables à la liquidation judiciaire, ne souhaitant pas perdre leur emploi. Le redressement judiciaire qui permet de maintenir la structure existante est une partie des emplois est envisageable puisque financièrement cette option est viable contrairement à ce qui a été dit. Cette requête a été portée par le collectif auprès de 3 membres du bureau. Pour moi, a priori, ce n'est pas le cas puisque le dossier a été déposé et on l'a déposé pour des raisons qu'on a déjà expliquées en tant que liquidation. Cependant, il est probablement théoriquement possible que lors de l'audience le 6 avril, si on avait des informations nouvelles de la part de financeurs qui diraient « oui, finalement, le redressement nous intéresse, on est prêt à faire le nécessaire pour faire ce tour de table financier et aboutir à un redressement possible », peut-être qu'on pourrait le dire à la barre et transformer. Parce que le document, c'est le même. Hein. Simplement, il y a une case, on a coché liquidation. On aurait pu cocher redressement. On ne l'a pas fait pour les raisons qu'on a déjà expliquées. Et on est sur un processus, on va dire, qui est d'essayer d'assurer la transition la plus souple, la plus sans discontinuité possible, y compris dans ces locaux-là, pour faire en sorte que pour les habitants, le service soit un service en tout cas minimum, je dirais maximum du minimum, soit maintenu. Alors après, il reste la question à laquelle on est très sensible des salariés. Là, c'est autre chose, hein, et qu'on suit parallèlement, et qui a été aussi une des motivations, mine de rien, du choix de la liquidation. Oui, effectivement. Donc, par rapport à cette question, justement, de salariés qui seraient à nouveau partants complètement pour redresser le centre, nous n'avons pas la même optique et la même écoute, en tout cas, et le même retour. En tout cas des salariés sur la position qu'a annoncée le comité de qualité de défense, hein, de soutien du centre. Il est évident que nous sommes pour un centre socio-culturel sur les Hauts-de-Chambéry, évidemment, au moins un, et particulièrement sur ce quartier des Combes, qu'il faut effectivement retravailler à la création de quelque chose de nouveau. Parce que partir sur les bases actuelles, avec les dettes actuelles, c'est se tirer une balle dans le pied et on n'en a pas besoin. Et donc honnêtement, aussi bien du côté des salariés que du côté des administrateurs, il y a peu de gens qui défendent effectivement et qui ont défendu le redressement judiciaire. Le collectif des citoyens occupants de Malraux lutte pour l'accessibilité à la culture pour toutes et tous. Cet objectif est notamment concrétisé dans la défense des lieux et des acteurs culturels locaux. Les centres socioculturels sont, par définition, vecteurs de liens sociaux, par le biais d'activités culturelles autant nécessaires à l'épanouissement individuel qu'à la dynamique des territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Après un échange avec les employés de la structure et les habitants de Chambéry-le-Haut au sujet d'une fermeture imminente du centre socio-culturel des Combes, nous avons décidé de nous positionner dans la lutte des précaires touchés par la situation. Nous nous mobilisons avec eux dans un esprit de solidarité. Nous défendons la survie d'un centre socio-culturel existant depuis 50 ans dans une volonté de partage et d'ouverture des pratiques culturelles à toutes et tous. Cette fermeture rendrait la culture et les activités sociales moins accessibles pour les habitants du quartier, jeunes publics et artistes en devenir. Les citoyens n'ont pas à subir les conséquences d'une mauvaise gestion interne ou politique. Nous militons pour la réouverture de tous les lieux culturels recevant artistes et publics, créateurs de liens sociaux essentiels. Le collectif et les salariés concernés demandent aux membres du CA de changer d'avis et de proposer le redressement judiciaire avec un plan de financement. Eh oui, il n'est pas trop tard. Oui, il n'est toujours pas trop tard.
L'audience est prévue le 6 avril, donc d'ici là, le conseil d'administration peut suggérer d'aller vers un redressement judiciaire. On sait qu'aujourd'hui, il y a un déficit de 343 000 euros. Si on déduit un peu l'aide qui était prévue pour cette année, c'est un montant de 160 000 euros, il reste à peu près 180-185 000 euros. Donc si on prévoit un plan de redressement sur quelques années, c'est largement faisable. Il faut avoir la volonté, d'autant plus qu'il y a des salariés qui souhaitent rester et faire en sorte que la structure se maintienne. En fait, il y a deux choses. Il y a la mairie qui a fermé la porte à un soutien pour maintenir le centre social et couvrir un peu, combler les dettes. Et donc, ce qui a laissé au conseil d'administration, au bureau, seulement deux options. Donc voilà, ils ont choisi parmi ces deux options, malgré, je le répète, des décisions des salariés qui souhaitaient l'inverse. Déjà, tu es une salariée, enfin une ex-salariée Ex-salariée du centre social des Corps. Voilà, et Samira, vous êtes une habitante. Une adhérente habitante, voilà. C'est ça. Alors comment vous réagissez, vous, par rapport à cette situation? C'est tellement triste et désolant, après 19 ans de travail ici au centre social, de se retrouver dans une situation pareille, quand on sait qu'il y avait des prémices déjà. Il y avait des prémices et moi aujourd'hui, ce qui me met en colère, mais vraiment, vraiment, c'est pourquoi il n'y a pas eu de réaction. Pourquoi on a passé de si longs moments à assister à ce drame comme ça, sans intervenir. Et quand je dis sans intervenir, bien sûr, c'était pas nous salariés, c'était pas aux habitants. Nous, ce qu'on pouvait faire, c'est d'alerter, c'est ce qu'on a fait. Mais apparemment, bon... Je suis désolée, hein, moi je vais vous dire franchement ma pensée. Hein, mais le CA qui était là se sont fait amis avec le directeur et malheureusement, ils ont occulté ce qui se passait vraiment au fond du centre. Quoi. Et c'est malheureusement le problème qu'il y a eu. Moi je pense, ouais. Pour ma part, c'est ce que je vois de l'extérieur. Quand même, il y a la mairie, il y a la CAF qui sont des financeurs, qui contrôlent quand même. Oui, tout à fait. Mais malheureusement... Le souci du CA, c'est qu'ils allaient poser des questions au directeur, mais quand le directeur ne vous répond pas, je suis désolée, mais il faut aller au-dessus de là, il faut aller voir la comptable, il faut aller voir au-dessus pour savoir vraiment ce qui se passe, si les dossiers ont été envoyés, si tout ça. Et malheureusement, ça n'a pas été fait pendant ces un an. On aurait pu, voilà, quand même être à l'avance prévenu de tout ça pour faire quelque chose avant. Et je vous donne le point de vue quand même de la salariée qui était présente, on va dire, en permanence. Je voyais aussi un directeur qui faisait tout pour écarter ses administrateurs quand il en avait envie. Et quand il avait envie de prendre certaines décisions qui n'arrangeaient pas certains, il les écartait. Donc aujourd'hui, je ne prends pas la défense des administrateurs, mais je veux juste essayer aussi de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. C'est parce que quand une réunion se prépare et que moi-même salarié, je pose la question à mon directeur de savoir s'il avait convié les administrateurs et la présidente. Et la réponse qui m'a été donnée par ce monsieur, je vous promets à deux reprises, « Ah non, 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 moi je fais ma réunion sans eux, je n'ai pas besoin d'eux. » Donc quand j'entends cela, je peux comprendre aujourd'hui la position aussi de certains administrateurs. Après, moi-même, je peux en parler, hein, parce que je suis quand même, pas victime, j'aime pas ce mot-là, mais j'ai quand même... Vous avez été abusé. Voilà, moi ça fait depuis abusés. Qu'il est là, tu vois, on a quand même été écarté. Il a écarté les anciens parce que ça ne l'arrangeait pas. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, les vrais, aujourd'hui je dis le mot, les vrais manipulateurs, ils travaillent avec des gens qu'ils ont choisis parce que c'est beaucoup plus facile. Quand il n'a pas su le faire avec certains salariés, on a été mis à l'écart. Au placard, moi, j'ai été mise carrément au placard. Moi, j'ai même été rétrogradée au su et au vu de tout le monde. Et ça paraissait normal. Donc, non, dans quelle vie? Pas au niveau des habitants qui ont réagi. C'est vrai. Il y a même des mamans qui m'ont proposé de faire une lettre, une pétition. Voilà. Donc, aujourd'hui, en tout cas... Nous, le centre social, nous, les salariés,
on ne remerciera jamais assez les habitants qui nous ont toujours soutenus. Vous voyez, aujourd'hui encore, c'est eux qui sont là pour nous soutenir. Merci beaucoup aux habitants, on va dire. Et aussi, juste pour dire que j'ai vu dans un des articles où ce monsieur disait que la CAF ne nous a pas assez soutenus, ce n'est pas vrai. La CAF nous a toujours soutenus. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires de la CAF. Avant qu'il arrive, lui, il n'y a jamais eu aucun souci financièrement avec le centre. Tout était vraiment bien goupillé, les sorties, les accompagnements, tout ce qu'il fallait, c'était bien goupillé. Et là, en un an, c'est vrai qu'on a vu le changement. En tant qu'habitant, on a vu pas mal de changements au niveau des sorties, au niveau des accompagnements et même au niveau des salariés où on ne comprenait plus quel était leur statut. Ben, nous aussi, c'est là où on a commencé à se poser des questions. Ça va être tendu.